Alors, dans la semaine, les 8 heures de Suzuka. Et pour moi, mon rêve, comme je disais, que j'avais déjà deux garçons à l'époque, et j'ai dit si un jour je peux monter une petite équipe et rouler avec eux, ça serait bien. C'était il y a 20 ans. Et là, maintenant, j'ai eu 55 ans au mois d'août. C'est la date butoir pour pouvoir courir. Sans avoir de dérogation. Et mes fils, bah, quand même, j'ai trois de mes fils qui ont quand même un 11 ans. J'ai été surpris, j'ai roulé très vite. Enfin, pour moi, je pense que c'est très vite, c'était bien par rapport à mes fils. Septembre des qualifications. Après, on a dit, bah, maintenant, le challenge, c'est essayer de partir pour faire les 24 heures. Et puis, alors, fils, c'est mon petit-fils Mathieu, justement, qui devait repartir, mais il n'était pas prêt. Donc, à ce moment-là, bah, on a fait repartir Yann pour 3-4 tours seulement, parce que le pauvre, il commence à être fatigué. Et surtout, quand on dit on s'arrête, et bah, on se déconcentre et tout. Et là, quand on dit, bah, pour partir, ça fait quelque chose. Voilà, vous êtes pour l'instant à l'arrière de saluer. Ah oui, mais un climat ô combien convivial, une fois revenu dans le paddock. Oui, oui, avec beaucoup de respect. J'ai croisé le fer.